dirais pas très loin. Toujours en proximité, mais pas trop près non plus. Donc le bâtiment est juste là. On va essayer de choper le dernier coup de soleil. Donc le temps est pas favorable. Mais ça nous laisse quand même apercevoir le bâtiment. Du matériel à trimballer. Donc on est à côté du lieu, on s'est garé juste un peu plus loin pour pas éveiller les soupçons. Putain, hop. C'est des trépieds. Ah bah putain. Il n'y a pas une tête très sympathique. Les gens doivent se demander ce qu'on fait. Ouais. Je marche dans l'eau. Oui, parce qu'il pleut. Ça ne va peut-être pas à l'écran, mais il pleut. Qu'est-ce que c'est ? Les escaliers. Alors, je vais m'aventurer seul. Sans glisser, j'espère. Ah d'accord, c'est de l'eau. Alors, il y avait rien de l'eau et de choses qui flottent sur toute la surface de l'eau. D'accord. Petite session solo. C'est toi qui as fait le hibou ou pas ? Quoi ? C'est toi qui as fait le hibou ? Non. J'ai entendu un genre de ou. On dirait que ça bat des ailes dans le bâtiment. On va s'installer dans... là-dedans pour, je pense, installer les... Ah bah oui, il y a de la volaille. Pour installer les équipements sur nos têtes. D'accord, bon ben on a trouvé peut-être la seule entrée. Ça a sûrement été squatté. Ça peut l'être encore. J'espère pas. Alors j'ai tout un tas de choses dans mon sac. Quand il contient assez un petit bout de soirée, donc il y a plein de bruit avec les gouttes d'eau. Alors un verre, mais c'est pas pour boire, on verra ça sûrement plus tard. Donc à boire, de la nourriture, un sacoche avec les papiers, des masques, on sait jamais, des bougies, un petit trépied. Je vais pas le déballer pour l'instant. Donc un couteau, on ne sait jamais. La petzel, c'est ça que vous voulez. Et la lampe dynamo, c'est toi qui l'as ou c'est moi qui l'ai. Ça c'est pour toi. J'ai les gants aussi. J'ai oublié les gants dans la voiture d'ailleurs. Il y en a un de nous qui ne manipulera pas. Ça me semble pas mal. Ça démarre ? Ouais. Bon. Ça va gaspiller qu'autre chose le masque, je pense que je vais... C'est bon ? Allez, c'est parti. C'est vraiment un gros bordel.
un stock de porte-fenêtre. Je pense pas passer par la toile en alu, on va faire le tour. C'est un coup à faire du bruit. Ouais, c'est un entrepôt actuellement, j'ai l'impression. Avant, je sais pas, j'espère qu'on va en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un générateur, je sais pas. Ceux qui seront, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Bon, je pourrais lire. Bon, oui, c'est un moteur. Bon, je ne veux pas dire de conneries. Et je vais décidément enlever ce masque qui me fait chier. Machine à coudre. Ah, les escaliers. Alors ici, ça goûte. C'est d'ailleurs inondé. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il n'y a plus de toit. Ça sent pas bon. Ce reste des toilettes. Des toilettes à l'envers. J'ai trouvé les toilettes. T'as trouvé les toilettes ? Ouais. Et voilà, encore la chaise au milieu de la pièce. Alors ça, ça m'intrigue à chaque fois, ouais. Ah cette. Ouh, ouais ben. Alors ça je crois que c'était un oiseau. C'était un oiseau qui trempe dans je ne sais trop quoi. On va dire de la pisse, mais non, il y a un seau, donc la source. Aucune idée. Donc là, un stock de pneus. Depuis tout à l'heure, il y a des pièces pour stocker chacun des différents éléments. Si on l'a vu, c'est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, tu as une lampe, donc tu n'as plus d'excuses. Donc, hop, les premiers escaliers. Et ça, c'est un ascenseur. Je pense qu'il ne fonctionne plus. Donc là, on est au premier et on s'aventure au second. Les escaliers sont ultra fins. C'est pas rassurant. Encore les chaises. Une flaque est assise dessus. Celle-ci a l'air plus confortable et on a même des canapés. Bon, je pense qu'il y a eu des soirées ici. De bonnes soirées couture. Là aussi ça donne un peu plus le vertige, d'autant par la hauteur que de haut en bas. Pas que des cigarettes ici. Et des squatteurs. Ah bon, tu m'étonnes. Trouvons. Alors ici c'est tout aussi vide mais plein de choses. Ça c'est le chakra, je dirais racine. Ah, j'ai vu c'est clair ici, mais c'est la partie du bas en fait.
les bruits de hibou, l'église qui cloche, Oubadi, tout est là pour nous foutre la trouille. Donc ici, il y a au moins de la sécurité. J'ai envie d'aller voir la partie au-dessus, là. Je suis très très tenté. D'autant plus que je crois qu'on a fini quasiment. Alors ça m'a l'air plutôt bien solide, mais ça n'a pas l'air d'une échelle. Alors je pense que tu as raté quelque chose. Hein. J'ai accès au toit là, ça m'a l'air sympa. Bah je pense. J'ai accès au toit extérieur. Mais pas que. Alors. Ouh là, je me sens vraiment pas bien parce que je sais que juste en dessous, il y a des mètres de chute. Et c'est horrible. Je me sens vraiment pas très très bien. Bon, c'est du béton, mais quand même. Alors, je ne me connaissais pas cette phobie-là, le vertige, mais je pense que beaucoup de monde aurait le vertige à ma place. On a le focus dans le cus. Donc voilà, je pense qu'on a quasiment tout exploré. Donc là, on se retrouve à nouveau devant le bâtiment pour se dire au revoir. Cette fois, c'est complètement nuit. Et donc voilà, exploration terminée. Donc on a essayé, comme ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne pense pas mettre les images du coup, vu que c'est un échec total. J'essaierai de faire ça à chaque fois que je fais une nouvelle exploration, mais je verrai si je mets les images ou pas, selon les résultats. Donc là, je reverrai les vidéos. Il ne s'est a priori rien passé du tout. Peut-être que je mettrai un extrait pour vous faire voir de quoi ça parle exactement en fait. Et puis voilà. Donc on vous dit au revoir et à la prochaine exploration.